Salut Lisa! Coucou Julia! J'ai remarqué un truc genre trop bizarre. Quand je suis arrivée à l'école, il y a tout le monde qui m'a regardé genre bizarre. Je sais pas pourquoi, j'ai un truc sur le visage et une tache sur ma salopette. Qu'est-ce qui se passe? Comment t'expliquer ça? Effectivement, il s'est passé quelque chose, donc non, ton visage il va très bien, ton nez il est là où il faut, tes yeux aussi. T'as pas de tache sur ta salopette, hein. Par contre le style faut revoir, hein. La salopette c'est fini, hein. Maintenant faut s'habiller comme moi. Mais en fait, comment te dire qu'il y a une photo qui circule dans le lycée et t'es sur cette photo en fait. Quoi? Mais de quelle photo? C'est sûrement un montage, vu comment les gens ils me regardent, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commis un crime? J'ai braqué une banque? Je comprends pas. Alors, comment te dire que c'est vraiment toi sur la photo? Je l'ai vue cette photo, elle circule sur tous les groupes de WhatsApp, tous les groupes Snapchat, tous les groupes Facebook de l'école, enfin du lycée. Et c'est vraiment toi et voilà quoi. Mais bon, c'est pas trop grave, hein, c'est pas un truc de fou. Ah non, moi je. Enfin non, je peux pas y croire. Comment ça, une photo? C'est quoi? Je suis sûre c'est un montage, on a mis ma tête sur un truc bizarre et les gens ils se moquent de moi, enfin, si c'est vraiment moi sur la photo, bah c'est quoi le problème? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tout le monde me regarde comme ça? C'est une photo de toi au cinéma et t'es avec un garçon qui est plus âgé, qui a déjà le permis de conduire, avec la voiture et tout. Et bah si tu veux, je t'envoie la photo. Mais ouais, il y a tout le monde qui dit ouais, c'est trop bizarre. Elle sort avec un garçon majeur. Ça se fait pas, tout ça, tout ça. Enfin, tu connais les gens. Quoi? Enfin, c'est ça. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est quoi cette photo? Ah ouais, effectivement, ouais, c'est moi. Et ben, c'est quoi le problème? Enfin, je veux dire, déjà, qui a dit que je sors avec cette personne? Ça se fait, c'est mon cousin. Enfin, les gens, ils font des trucs bizarres. Enfin, mais c'est qui a pris cette photo d'abord? Quelqu'un qui m'a stalké ou quoi? Non, mais n'importe quoi. N'importe quoi, ces gens-là. Tout de suite, c'est mon copain, quoi. Non mais je suis d'accord avec toi, de toute façon, hein, les gens, hein, on s'en fout, hein. Allez, viens, on va en cours. Salut chérie, d'Ivoire, tu peux m'expliquer c'est quoi ce rendez-vous là entre deux blocs dans un endroit un petit peu bizarre? Je commence à me poser des questions sur ce que tu veux faire ici. Pas de panique, mais par contre, range-moi cette lampe torche là, tu me mets toute la lumière dans les yeux, je vais devenir aveugle. Merci. Non, mais t'inquiète pas, faut pas que tu t'inquiètes, mais faut que je te dise un truc. D'accord, tu m'inquiètes un petit peu là, Julia. Explique-moi, il y a un problème, t'as des soucis, t'es recherchée par le FBI? Non, mais n'importe quoi, toi. Enfin, toujours tu trouves des trucs chelous, Maxime, hein, vraiment. Hein. Mais non, 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 non. En fait, il faut que je te dise un truc, c'est que on nous a pris en photo hier soir au cinéma. Et cette photo, elle est en train de circuler partout dans le lycée. Et je. Voilà, en gros, je viens de voir, parce que justement, je voulais te dire ça. De face à face, non, je ne te largue pas, t'inquiète pas. Mais il faut qu'on. Enfin, il faut que notre relation, elle devienne un petit peu plus discrète. Parce que, ben. Voilà, là, je peux encore gruger, faire genre. T'es une connaissance, mais si quelqu'un nous repère encore une fois, je pourrais plus. Bah, je pourrais plus faire semblant. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi on doit cacher notre relation. C'est. Enfin, voilà, quoi. Il n'y a rien d'anormal là-dedans. Hein. De toute façon, qu'est-ce qu'on s'en fout de la vie des autres, hein. Et franchement, au moins, on serait plus obligé de se cacher comme on est en train de le faire. Non, 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 moi je veux pas, je vis normalement dans ce lycée, je veux pas qu'il soit au courant, je veux juste être la fille banale de la classe, de telle classe, et puis c'est tout, je veux pas qu'il y ait des gens qui parlent sur mon dos. Bon, écoute, hein, comme tu veux, moi, tant qu'on est ensemble, je m'en fous un peu. De toute façon, il te reste quoi? Il te reste 2 années dans ce lycée, puis après, c'est bon, basta, et on se barre de cette ville? Je suis contente, je suis vraiment contente que tu le prennes comme ça. Ça se voit qu'on est matures, hein, tous les deux. En tout cas, ouais, il me reste 2 années dans ce lycée, et puis après, merci, au revoir, hein, c'est bon, j'en ai marre. Oh, c'est trop nul ce lycée en plus. Bon, on fait quoi? On va chez toi? On va chez moi? Comme on est un petit peu blacklisté grâce à toi, ma chérie, dans tous les endroits de Brookhaven parce que t'as peur qu'on se fasse voir, je propose qu'on aille chez moi faire une petite soirée Netflix. Il y a pas mal de nouvelles séries qui sont sorties.
En plus, là, j'ai ma voiture garée pas loin. Si tu veux, je m'approche, tu rentres dedans, ni vu, ni connu. Allez, je vais aller chercher ça. Tu vas me dire que t'as appris toute cette poésie, genre, par cœur? Bah écoute, ouais, moi j'aime bien tout ce qui est poésie, les fables, j'adore ça, les histoires courtes. Non mais je kiffe! Mais je kiffe, donc ouais, non, j'ai appris ça, mais vraiment, c'est genre limite, je l'ai lu une fois et je l'avais déjà dans la tête. Ah ouais? Non mais jure. Wesh, hein, Julia, c'est vrai que tu te tapes un vieux schnock. Jessica? Jessica, c'est... Mais... Attends, je range mon livre, mais c'est à moi que tu parles, là? À ton avis, t'empêche, hein. Bah oui, à toi, sale cruche. Ouais, je suis sûre que tu dis ça à cause de la photo qui a circulé. Bah quoi, j'ai envie de te dire, déjà, il est pas vieux sur la photo. Et puis, en plus, qui te dit que c'est mon copain? En fait, je sais, t'es en train de faire comme les gens de la télé-réalité. En gros, tu t'étais une escort girl, c'est ça. Tu te fais payer pour te taper des vieux schnocks, là. Ah là là, je vais tout dire à la directrice. Non mais ça va pas, mais t'es malade, juste parce que je suis sur une photo avec un garçon, mais t'es malade toi. Bah t'as qu'à assumer que le mec qui est sur la photo, bah c'est ton sugar daddy. Tu sais quoi Jessica? Franchement là tu me saoules. Vraiment, barre-toi parce que je vais me lever, je vais te gifler, je vais te mettre une marque sur ton visage. Et plus jamais tu pourras refaire tes concours de beauté, je te le dis, vas-y, c'est bon, barre-toi. Non mais c'est que j'avais raison parce que la vérité, bah y'a que bah, la vérité qui fâche. Et vu comment t'es fâchée là, t'as ta ride de lion là qui sort sur ton front, ta grosse ride parce que t'es énervée, arrête de froncer les sourcils, c'est pas bon pour ta peau. Et je me casse, t'es trop nulle. Ah ouais, la tornade Jessica est passée. Mais Divoire, j'ai pas compris. Elle a dit sugar daddy, c'est quoi un sugar daddy? Franchement, cherche pas à comprendre Lisa, un sugar daddy. C'est juste un mec qui entretient la fille avec qui il sort contre des trucs pas très catholiques. Mais c'est pas du tout vrai, hein. Faut pas que tu la croies parce que c'est n'importe quoi ce qu'elle dit. Ouais, si tu le dis, de toute façon t'en fais pas, hein. Faut pas que tu te prennes la tête là, je te sens un petit peu tendue. Vivement que la journée se termine, elle vient à peine de commencer, j'ai déjà le cerveau en compote. Vraiment, l'école c'était vraiment de la merde aujourd'hui, y'a tout le monde qui a continué à parler sur mon dos à cause de cette photo qui continue à circuler. Les gens, soit ils me regardent, soit ils parlent dans mon dos. Et puis en plus, le pire, c'est qu'ils croient que je les entends pas. Non mais allô, je suis juste à côté, je vous entends les gens, mais... Ce lycée, franchement, ils sont tous immatures, je sais pas ce que je fous là-dedans. Pire lycée quoi, pire lycée, pire ville, Brookhaven, je déteste cette ville. Préférée où j'habitais avant, quoi, avec papa, c'est bon. Y'en a marre, je sais pas ce que je vais faire, mais... Par contre, cette photo-là, elle m'intrigue, parce que vraiment... Il y a personne qui était au courant que j'allais au cinéma. Ah si, il y a une personne. Ouais, non. Mais... La seule personne qui savait que j'allais au cinéma, c'était Lisa, ma meilleure amie. Mais c'est pas possible. Ça peut être n'importe qui est passé à côté du cinéma. Oh, je suis sûre, c'est Jessica. Je suis sûre, Jessica, elle se fait des soirées cinéma tous les soirs. Elle fait genre la meuf. Et elle a dû me voir là-haut, elle a dû me prendre en photo, là, vu comment elle m'a parlé aujourd'hui. Papa, il va rentrer, il va voir que j'ai graillé toutes les pommes tellement j'étais vénère. Bon, faut que j'arrête de grailler et faut que je... Ah, mais je sais! Mais je sais, je vais demander à Lucas, mon petit frère, de m'aider. Tu sais, c'est un professionnel. Je vais aller le voir. Hey Lucas, d'Ivoire, je te dérange pas? Bah, si tu me déranges, tu vois pas qu'ils sont en train de hacker Movistar Planet? C'est quoi ça, Movistar Planet? T'es en train de faire quoi? Je comprends pas. Bah, en fait, Movistar Planet, c'est un truc, un jeu comme ça, un truc de Starlet, là. Mais, t'inquiète pas, après Movistar Planet, faut que je hack encore Roblox. Je vais hacker Roblox là parce qu'ils m'ont pas voulu me donner des Robux gratuits. Et comme ça, il n'y a plus personne qui pourra y jouer. Ah, bah écoute, pourquoi pas. Chacun sa passion. J'ai un défi pour toi. Donc, c'est vraiment un défi. En fait, il y a une photo qui circule dans mon lycée. Et j'aimerais bien que tu retrouves de quel téléphone a été partagée pour la première fois cette photo. Est-ce que tu peux m'aider?
Non, ok, j'ai compris. Et pour 20 euros, est-ce que tu m'aiderais ? 30 euros. 30 euros ? Franchement, t'abuses, petit frère, mais vas-y, c'est bon. Tiens, je te l'envoie. Et tu me dis d'où elle vient, cette photo ? Ok, j'ai bien reçu, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Alors, la photo, les données de la source de la photo... Oh là là, elle a été partagée au moins 3756 fois, cette photo. Oh, t'es devenue une... star au lycée. Ouais, enfin, j'aurais préféré ne pas devenir une star au lycée, moi je te le dis. Ok, j'ai presque fini, je mets cette donnée ci par-ci par-là, j'utilise ce logiciel de dingue par-ci. Ok, on y arrive, t'es en train de scanner là. Il est trouvé. Alors la personne qui a partagé ta photo, c'est... Arrête de te foutre de moi, pour 30 euros, tu peux me donner la réponse plus rapidement que ça, quand même. Ouais, c'est vrai, pour 30 balles, quand même, je pourrais être sympa. Bah en fait, c'est Lisa, une certaine Lisa McFlyer. Est-ce que tu la connais ? Non, c'est pas possible, revérifie, c'est pas possible que ce soit elle. Un vrai pirateur, il se trompe jamais, moi je me trompe pas. Non, c'est pas possible, ça peut pas être Lisa, c'est ma meilleure amie, elle aurait jamais fait ça. Au pire, elle m'aurait demandé « qu'est-ce que tu fous avec un mec plus âgé que toi ?» comme ils le disent tous à ce lycée. Mais jamais elle aurait partagé cette photo. Et encore moins elle l'aurait prise elle-même. Je peux pas y croire. Méfiez-vous toujours des apparences, c'est moi qui le dis. Ouais, enfin, c'est bon, hein, j'ai compris. Hein, c'est Lisa, ok. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Nom, 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 nom. Hey. Ah, salut Julia, attends, je finis mon sandwich, voilà. Bon, tu voulais me voir, mais attends, t'as l'air un petit peu énervée, qu'est-ce qui se passe ? Bah écoute, Lisa, cette histoire de photo, elle m'a mis quand même un petit peu sur les gonds, là. Bah tu devrais pas, c'est pas grave, c'est bon, passe à autre chose. Oui, bien sûr, passe à autre chose, c'est aussi simple, hein, quand ça fait 3 jours d'affilée qu'on n'arrête pas de me lancer des regards... qu'on parle sur mon dos, et des fois même en face de moi, les gens, ils sont vraiment bêtes. Et tout ça parce qu'il y a quelqu'un qui a pris une photo, et j'ai fait mes petites recherches d'ailleurs, hein, sur cette photo. Ah, t'as fait des recherches sur cette photo, mais pourquoi faire, c'est bon, oublie cette histoire. Comment veux-tu que j'oublie cette histoire ? Personne ne veut que je l'oublie dans ce lycée. Franchement, tu te prends la tête pour rien, parce que... En plus, tu trouveras jamais la personne qui a partagé cette photo. T'as vu le nombre de gens qui l'ont partagée. Impossible. J'aurais bien voulu t'aider, mais je sais pas comment. Bah ouais, clairement. Comme tu dis, impossible. Tellement impossible que j'ai trouvé c'est qui. Quoi ? T'as trouvé c'est qui ? Mais alors c'est qui cette personne, parce que franchement, faut qu'on la chope, hein. Ouais, ben, tu sais quoi ? Elle est juste en face de moi. Attends, quoi tu dis en face ? Je vois personne d'autre, là, hein. Tu comprends pas ? À ce stade-là, tu le fais vraiment exprès, mais c'est toi, mon frère. Il s'y connaît en informatique, il sait que ça vient de ton téléphone, c'est toi qui as pris la photo. Je le sais, j'en suis à 100% sûre, mais comment t'as pu me faire ça ? T'es censée être ma meilleure amie. Ouais, bon, d'accord, j'admets, j'assume, c'est moi qui ai pris la photo, c'est moi qui l'ai partagée, parce que... Ah ouais, vas-y, accouche, parce que quoi ? Parce que moi, j'aimerais bien savoir pourquoi t'as fait ça. Ben déjà, parce que t'es pas une fille fréquentable, ma mère, elle m'a dit, les filles qui sortent avec des garçons plus âgés qu'elle, c'est des mauvaises filles d'abord, et tu vas salir ma réputation en plus, et pourtant, je suis quand même restée à tes côtés. Je te rappelle que si je, entre guillemets, salis ta réputation, c'est parce que tu l'as fait en première. Et puis en plus, j'ai quelque chose à te dire. Déjà, le garçon, il est pas plus âgé que moi. Mais n'importe quoi, t'es en train de me mentir parce que d'abord, il a une voiture, il a le permis, il est majeur et toi, t'es mineur. Donc non, vous avez pas le même âge. Arrête de dire n'importe quoi. Incroyable, mais tu t'enfonces, meuf. Arrête. Franchement, je t'arrête tout de suite. Alors déjà... tu sais même pas quel âge, je suis ta meilleure amie et tu connais même pas ma date de naissance. J'ai le même âge que mon copain, j'ai 19 ans comme lui, je ne suis pas mineure. Et avant que tu me demandes
pourquoi je ne suis pas mineure, eh bien sache que quand j'étais petite, mon père était biologiste et on bougeait partout, en Afrique, en Thaïlande, partout, dans plein de continents, plein de pays différents, et j'ai pas été à l'école, et du coup, bah, j'avais plusieurs années à rattraper, et c'est pour ça que je suis arrivée au lycée, alors que techniquement, je ne devrais plus y être. Donc je suis majeure, j'ai 19 ans, et mon copain aussi, il a 19 ans. Voilà, comme ça tu connais toute la vérité, et t'es qu'une pauvre cruche. Attends, je comprends pas trop, ça veut dire que t'es déjà majeure, t'as 19 ans, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Premièrement, tu me l'as jamais demandé, hein, et encore, je pense que c'est juste un détail. Et puis de deux, bah, j'avais envie juste d'être une lycéenne normale et pas être la lycéenne majeure du lycée. Voilà, je voulais pas que tout le monde se moque de moi et j'avais pas envie non plus d'expliquer à tout le monde mon histoire et d'où je viens parce que c'est bon quoi. À un moment donné, regarde ce qui s'est passé depuis que t'as mis la photo. Les gens ils racontent n'importe quoi, comme quoi je suis une escort girl, que je sors avec un sugar daddy, patati, patata, alors qu'en réalité... on a le même âge, et tu sais quoi, je sais même pas pourquoi je me justifie, franchement t'en vaut pas la peine, c'est bon, si le lycée a envie de croire que je sors avec un mec plus âgé, eh ben tant pis, mais tu l'auras sur la conscience, je me barre et t'es plus ma pote. Oh merde, mais qu'est-ce que j'ai foutu, je suis vraiment qu'une pauvre merde. Ben alors, t'as pas peur qu'on nous voit ensemble ici comme la dernière fois? Oh là là, c'est bon, tu vas pas me sortir ça à chaque fois, hein. En plus, ben, juste avant que la séance de cinéma elle commence, il faut que je te dise quelque chose. Ah ouais? Tu veux me quitter encore? Non, je rigole. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Ce que tu m'as dit la dernière fois, bah t'as complètement raison. Je vois pas pourquoi je devrais cacher ma relation. Et si les gens ne sont pas contents et que voilà, bah en fait c'est pas mon problème, je m'en fous. Je vois pas pourquoi je devrais pas vivre ma vie à fond, juste parce qu'en fait il y a des gogoles au lycée. Écoute, tant pis pour eux. Hein. Et ta meilleure amie, Lisa? Oh, tu sais, les meilleurs amis, ils font pas ce genre de choses à leurs potes, donc est-ce qu'on peut parler de meilleurs amis? Non. Bon, allez, ça me saoule de parler de ce lycée. C'est des personnes, ils sont pas matures du tout. J'ai hâte de finir l'école. Allez, viens, on va regarder ce Marvel magnifique. Oh, c'est pas si mal. Au moins, je pourrais l'embrasser en public maintenant.